Déjà dans l'Antiquité, Pline disait que c'est le légume qui économise le feu et n'exige pas de bois. D'ailleurs, les Romains en consommaient énormément. Pour préparer l'estomac aux prouesses gastronomiques, je parle de la laitue, ce légume très facile à réussir et que je vous propose que nous cultivions ensemble aujourd'hui. Il y a 15 jours seulement, nous avions semé un rang de radis. Regardez, il est bien poussé déjà. C'était donc un semis en ligne. Maintenant, pour les laitues, nous allons faire un semis à la volée, réparti sur une petite surface bien préparée, parce que nous faisons ce que l'on appelle en langage jardinier un semis en pépinière. Pour améliorer la terre du potager, il faut utiliser un amendement organique, c'est-à-dire un mélange de compost, de fumier, d'éléments végétaux, qui va permettre d'enrichir le sol tout en lui donnant une certaine texture. C'est pas de l'engrais, mais c'est très complémentaire. On va compter environ 1 kg, 1 500 kg au mètre carré, c'est-à-dire à peu près 5 ou 6 bonnes petites pelles qu'on répand comme cela sur le sol et que j'enfouirai par la suite avec un griffage. Le ratissage est la phase vraiment essentielle de la préparation du sol pour faire la planche de semis. Donc il faut travailler en surface, juste caresser le sol, de manière à obtenir quelque chose de très lisse et de très homogène. Regardez, en tenant le râteau pratiquement comme un balai verticalement, eh bien vous faites un sol absolument impeccable. Vous pouvez semer de la laitue pratiquement toute l'année à partir du moment où la température du sol atteint les 10 degrés. Je vous conseille de choisir des variétés en fonction de ce que vous aimez, mais plutôt des variétés sélectionnées, par exemple comme Divina, que nous allons semer aujourd'hui. Avec les laitues, ce que l'on cherche, c'est obtenir des plants que l'on va repiquer par la suite. Donc il suffit de répartir uniformément les graines sur une petite surface, c'est ce qu'on appelle le semis en pépinière, et on va le faire tout de suite, c'est extrêmement simple. Allez, voilà. En tapotant sous le sachet comme cela, on obtient une répartition plus homogène de la semence. Un petit secret de jardinier, ce n'est pas la peine de semer tout le contenu du sachet, juste la moitié suffit, le reste dans 8 à 10 jours, de façon à éviter une indigestion de salade. Alors pour enfouir les graines, juste un petit coup de griffe comme cela. Et maintenant nous allons plomber. Eh bien le plombage consiste simplement à tasser la terre avec le dos du râteau. Vous pouvez aussi utiliser une batte d'ailleurs en bois, de manière à ce que les graines soient bien au contact du sol, d'un sol ferme, dans lequel elles vont pouvoir enfoncer leurs racines. Si vous ne vous sentez pas la patience de semer, bien que ce ne soit pas très compliqué, au bout de 6 à 8 jours, la première salade commence à lever, eh bien vous pouvez acheter des plants dans les jardineries, des plants qui ont environ un mois et demi, prêts à repiquer. Alors on va faire le travail, mais attention, la laitue, ça se repique flottant. Inutile de disposer vos salades en rang d'oignons, vous pouvez les planter comme dans un petit massif, environ une vingtaine de centimètres, 20 à 25 centimètres les uns des autres. Et puis attention, un petit secret de jardinier, on va y mettre quelques fleurs. Bien que cela fasse évidemment bien plus joli, ce n'est pas simplement pour l'esthétique que j'ai envie de planter ces œillets d'Inde et ces soucis avec les salades. Les œillets d'Inde vont avoir un effet répulsif sur les pucerons qui sont très actifs sur les racines des laitues et les soucis ont la particularité d'éloigner les nématodes. Donc c'est une méthode tout à fait naturelle, bio, ce que l'on appelle la plante compagne. Je vous incite vraiment à le faire. Je vous avais dit que les salades se plantaient flottant. Allez, venez plus près, je vais vous montrer. Secret de jardin. Ici, nous avons le collet, c'est-à-dire la jonction entre les racines et la tige. Il ne faut pas que ça soit enterré. Donc on va juste planter à fleurs, sans trop tasser. La plante est juste un peu flottante en surface. Alors on peut arroser en pluie en cette saison de l'année, parce que la plante a besoin d'humidité atmosphérique, sinon vous pouvez arroser au goulot. Comptez à peu près 10 litres pour un mètre carré. Comme l'a dit si justement mon ami Michel Lys, nul ne connaît mieux la laitue que le limaçon. Alors attention, sol humide égale escargot et limace, un petit produit à base de phosphate ferrique, absolument sans danger pour les animaux à sang chaud. N'en mettez pas trop, environ une petite poignée pour un mètre carré, c'est totalement suffisant. Mais vous répéterez ceci tous les 2 ou 3 jours, chaque fois qu'il y a de l'humidité.
Environ 60 jours après votre semis, vous obtenez une opulente verdure de satin qui fait penser à la jupe bouffante d'une ballerine s'apprêtant à danser le menuet, comme a dit un écrivain anonyme. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur NewsJardin TV.